Alors, j'ai eu l'idée de réunir deux personnages dans un spectacle. Effectivement, Lisa de Blackpink, chanteuse mondialement connue, artiste, idol qu'on appelle là-bas, qui est aujourd'hui la plus suivie sur les réseaux. Et Chip Chan, une autre envergure d'un autre phénomène virtuel, une femme effectivement séquestrée dans son appartement. Parce que j'avais dans l'idée à la fois d'écrire un livre sur une immersion, une plongée dans le monde sud-coréen. Et ce qui me. Comment dire, ce qui m'importait aussi, c'était d'écrire un livre sur la société du spectacle aujourd'hui 2.0 et de montrer à la fois que le spectacle peut être aujourd'hui virtuel et parce que c'est un livre qui questionne beaucoup nos comportements et nos obsessions sur Internet, de pourquoi on regarde une personne célèbre qui va voilà, nous venir nous faire fantasmer et une autre, quelque chose de beaucoup plus inquiétant, beaucoup plus dérangeant. Et moi, c'était vraiment ça, le parti pris du livre, c'était de montrer le spectacle dans sa totalité, de montrer à la fois le beau comme le moins beau. C'est vrai que de livre en livre, je prends la mesure que j'écris beaucoup sur les marges et sur la différence, mais je crois, et c'est important, je pense, que de ne pas en faire une forme de canevas et de priorité dans l'écriture. C'est-à-dire que je m'investis d'un sujet un peu par hasard, et c'est au fil de l'écriture d'un nouveau texte que je prends conscience qu'effectivement il y a des liens, qu'il y a des motifs récurrents dans l'écriture. Mais ça, je crois que c'est vraiment le propre de chaque auteur, enfin, d'avoir chacune une obsession à soi dans ce qu'on a envie de dire au monde et de porter dans l'écriture. Et c'est vrai qu'il s'avère pour moi que c'est souvent les marges, ou en tout cas les gens, les personnes qui n'ont pas beaucoup de voix en littérature. Alors la K-pop, c'est quand même un peu différent. Là, le monde un peu sud-coréen, c'est un peu différent, effectivement, de mes textes précédents sur les dragues ou sur les transitions transgenres ou sur les enfants atteints de maladies rares, parce que là, je m'attaque à une culture qui est quand même de plus en plus mainstream, de plus en plus occidentalisée, avec évidemment cette pression-là de ne pas tomber dans les clichés de raconter juste la solitude d'une pop star, la solitude d'une femme célèbre, mais effectivement, entre les lignes, je dis un peu la même chose, c'est-à-dire le rapport à l'individu, au corps, au silence qu'on a face à tout un groupe et là tout un système qui vient écraser cette fameuse artiste. Dans la société du spectacle, Guy Debord, qui m'a beaucoup inspiré pour l'écriture du livre, et qui déjà dans son livre expliquait que les comportements humains étaient de plus en plus régis par les images. Donc, à son époque, il parlait des images de la télévision et du cinéma. Et aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus prégnant parce que les images, elles sont de plus en plus omniprésentes. Elles viennent de moins en moins de la télévision et du cinéma, et beaucoup plus des réseaux et des communautés virtuelles qu'on fréquente, et de cette curiosité très étrange qu'on a tous de espionner, de regarder, d'admirer nos amis, nos voisins, les gens qu'on n'aime pas beaucoup, qu'on n'aime vraiment pas. Et spectacle, pour moi, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai appelé spectacle, hein, c'est en hommage à Guy Debord, et un peu le reflet de ça. Guy Debord, dans son texte, explique que qu'aujourd'hui, enfin à son époque, le spectacle c'était le mauvais rêve de la société enchaînée qui ne demande qu'à dormir, qui ne demande finalement qu'à un peu à s'abrutir et à se laisser aller. Et je crois, avec une histoire sur Chip Chan qui dort quasiment 20 heures sur 24 et qu'on va regarder dormir pendant 20 ans, on va la découvrir sur Internet, sur une sorte de site un peu de live stream en 2008, et une communauté de plus en plus grande va la regarder dormir et ne rien faire et être uniquement claquemurée dans son appartement pendant 20 ans. Je crois que c'est une belle métaphore, en fait, du spectacle qui est aujourd'hui effectivement uniquement une sorte d'image, de symbolique, de curiosité. On peut appeler ça de voyeurisme, mais en tout cas, ce voyeurisme, je pense qu'il fait partie de l'humanité. Mais aujourd'hui, il est beaucoup plus prégnant et beaucoup plus flagrant, puisqu'on met beaucoup de soi et on se met beaucoup en scène, et on met beaucoup en scène ce qu'on regarde sur Internet.